Cette cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas dans un stade, mais au cœur de la ville, en plein Paris. Qu'est-ce qu'on était bien. C'est, voilà, donc il n'y a pas un moment, c'est toute cette soirée est juste surréaliste. Ça fait des années, des années de travail pour cette course. Même ce matin, je me disais, ouais, c'est des années de travail pour 1h30 de course. On s'attendait à quelque chose de hors norme, exceptionnel à ce niveau-là. C'était encore plus que ce que je ne pensais. On voyait vraiment que les gens participaient, étaient derrière nous. C'est une vraie motivation et un vrai plaisir de faire son sport devant un public comme ça. Les premiers jeux, bah, ouais, ça arrive un petit peu tard dans ma carrière, mais je suis ravi de les faire, surtout à Paris. Je suis très très fier de ma journée parfaite. Mais j'ai besoin de temps pour réaliser étape par étape. Ce jour, c'est un jour incroyable. Et j'espère pour tous les athlètes qu'ils puissent un jour avoir une journée comme celle-ci chez eux. Ah ben top, exceptionnel. C'est super de pouvoir partager ça avec eux. On s'avoue, on s'avouera toujours à trois. On va être liés à vie avec ces trois médailles ensemble. De la joie, de la fierté, partager avec tout le monde. Voilà, cette victoire qui est certes pour juste Joris, mais aussi pour l'équipe d'être sur les trois sur le podium. Donc c'est incroyable ce qui se passe depuis 2-3 jours là. Et vous faites ça presque à la maison, on va dire, la piste de 50 ans en Yvelines. Ouais, presque à la maison. Moi j'ai vécu ici quelques années et c'est un moment qu'on n'oubliera pas jamais. Énormément d'émotions, un trop plein. Une fois passé la ligne, j'ai vraiment pu. Et toute ma famille qui était là, les amis. Je suis passé par toutes les émotions pendant la course aussi. Et voilà, je réalise pas encore. Le coupé décalé, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo là comme ça? On coupe et on décale.